Hélène, racontez-nous comment vous avez vécu ce combat. On a la sensation qu'elle a réussi à placer son bras droit derrière et qu'ensuite c'était difficile de la manœuvrer. Oui, sur ce combat, j'ai pas réussi à m'affirmer, à poser les mains comme il faut. C'est vrai que je l'ai déjà rencontré et ça a toujours. Enfin, je l'ai gagné, elle m'a gagné. Mais les dernières fois, c'était compliqué sur les mains. Et là, j'étais trop statique et du coup, ben, forcément, elle arrivait à monter son bras. Donc, j'ai pas réussi à être assez active au niveau du kumikata et assez dur. C'est quoi le sentiment là, qui prédomine à l'issue de ce combat? Je suis plus que déçue parce que je passe à pas grand chose de la demi-finale. Et puis là, ben, je perds et puis il n'y a même pas de place de 3. La saison, elle a été compliquée. Et puis je voulais finir sur un beau championnat du monde. Et puis ben, c'est pas le cas alors que je me sentais bien. Encore y avoir les équipes en début de semaine prochaine. J'imagine que c'est un objectif pour toute l'équipe et pour vous aussi. Oui, bien sûr, c'est un objectif, mais c'est pas la même chose qu'en individuel. Je voulais déjà performer là, aujourd'hui. Et puis après, oui, bien sûr, j'aurais été motivée aussi si j'avais eu la médaille. Et là, c'est vrai que ben voilà, il y a les équipes à la fin de la semaine, il va falloir se remettre dedans. Mais bon, la médaille en individuel, c'était plus important pour moi.